Bonjour mes petites calories, donc je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'est comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous présenter mes nouvelles cartes de visite ainsi que le tampon que j'ai commandé. Donc je tiens à remercier énormément donc Emeline de Sergent Guimauve. Donc si tu passes par là, ma petite Guimauve, plein de gros bisous. Parce qu'elle a eu la très gentille attention de me faire mes cartes de visite parce que j'avais plein d'idées et je ne savais pas du tout comment les mettre en forme. Donc elle m'a dit bah, donne-moi les éléments et je te les mettrai, et franchement le résultat est juste magnifique, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je tenais à remercier également Jessica de Petit Atelier qui a fait partager un très bon plan, donc merci Jessica. Donc il y a quelques semaines elle a fait une vidéo sur ses fournisseurs parce qu'elle c'est une professionnelle, et elle a trouvé un fournisseur de cartes de visite beaucoup moins cher que Vistaprint et de bien meilleure qualité je dois dire, parce que j'avais déjà commandé il y a quelques années chez Vistaprint, et quand j'ai reçu mes nouvelles cartes de visite, elles n'ont rien à voir du tout. Donc je vais juste vous montrer le carton parce qu'après je ne pourrai pas vous le montrer en détail. Donc voilà toutes mes cartes de visite. Voilà, donc je les ai reçues dans ce carton. Il y en a 1000, voilà, une quantité astronomique, hein, notre carton est plein. Et j'ai également fait un tampon, donc c'est grâce pareil à Sergent Guimauve qui avait fait un tampon chez cette personne. Et je me suis dit, bah moi aussi je veux mon tampon, etc. Donc je l'ai fait faire. Donc la boutique c'est l'atelier Tentation. Voilà, Tentation, pardon. Et je vais vous présenter le tampon tout de suite. Donc je reviens pour vous présenter donc en détail ma carte de visite ainsi que mon tampon. Donc la carte de visite, vous avez pu le voir sur Instagram, donc elle se présente comme ceci. Voilà, je l'adore, elle est juste trop trop belle. J'adore la petite dentelle en fait sur le haut. Voilà, on voit bien mon logo, on voit bien tous les réseaux sociaux auxquels je suis abonnée, Facebook, Instagram, YouTube et Google+. Et on voit également mon adresse mail. Voilà, je l'adore. Donc merci, merci beaucoup Emeline. Et la qualité est vraiment très belle. Vous voyez, ça fait un effet pas glacé, mais un peu quoi. Et des deux côtés en plus. Alors que Vistaprint, enfin j'ai comparé, il me restait encore une vieille carte de Vistaprint. Et on voyait que la qualité du papier n'était pas du tout pareille. Donc pour les 1000 cartes de visite, j'ai payé, je ne sais plus, avec les frais de port, j'ai dû payer 24 euros, 20, 23 et quelque chose, on va arrondir à 24. Donc vraiment un prix vraiment très raisonnable. Et ensuite, donc, je me suis acheté un tampon, donc c'est en voyant la vidéo de Sergent Guimauve, je me suis dit, oui, il m'en faut un. Voilà. Et donc je l'ai acheté, je l'ai commandé sur une boutique qui s'appelle l'Atelier Tentation. Voilà, donc ça c'est son logo, hein. C'est fait avec de la cire, vous voyez comme dans le temps où on mettait le sigle dans la cire. De l'autre côté c'est marqué merci, et vous voyez ça faisait un petit fil comme ça, et c'est ce qui entourait la petite boîte où il se trouvait mon tampon. Donc voici la petite boîte. Donc la personne qui fait ça s'appelle Héloïse, donc c'est vraiment une très gentille personne parce que elle vous guide tout au long de la réalisation de votre tampon en disant, parce que moi je sais qu'elle elle n'arrivait pas à reproduire la lettrine exacte qui est inscrite juste ici, s'il veut bien faire la macro. Non, il veut pas, mais enfin bref. Donc elle n'arrivait pas à reproduire la même lettrine, donc elle m'a dit, bah, je vais te faire je vais te faire une esquisse, etc. Donc elle m'a fait une première esquisse qu'elle avait fait au crayon, et une deuxième esquisse qu'elle avait fait à l'ordinateur. Donc l'esquisse où elle me demandait mon avis, je vais vous la mettre tout de suite. Donc voilà, et en fait ben, je lui ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci, on fait comme ça, je l'adore, il est juste magnifique. Et pour l'envoi, donc elle m'a demandé si je voulais un envoi normal ou un envoi dans une petite boîte. Donc j'ai dit ben, une petite boîte. Donc voilà, donc on retrouve bien son logo de boutique. Et donc quand on ouvre, ça fait une toute petite boîte, juste génial. Donc il y a un petit papier qui entoure le tampon. Et donc on a le fameux tampon. Pareil, elle vous demande la taille. Parce que moi, elle m'a dit que pour bien voir les détails et tout de mon logo, il fallait au minimum au moins 6 cm. Donc, je lui ai dit 6 cm. Donc, vous voyez, c'est assez gros hein, par rapport à ma main. Donc là, elle a fait le tamponnage directement donc, sur le morceau de bois. Le morceau de bois est vraiment très épais. Et donc, voici mon logo. Donc, bon, forcément, là, vous le voyez à l'envers.
Donc, mais vous voyez qu'il est extrêmement bien travaillé. On voit les couves qu'elle a mis dedans, etc. Même au niveau du cupcake. Voilà, on voit les détails. Il est vraiment très très joli. Au niveau du bandeau en bas, pareil, on voit tous les détails, etc. Voilà, je l'adore. Quand je l'ai vu ce matin, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir avant de faire la vidéo tellement que j'avais envie de le voir. Donc voilà, il est juste trop beau. Voilà, je ne regrette absolument pas mon achat. Donc j'ai fait quelques essais hein, par rapport aux encres que j'ai achetées et que je vous ai présentées lors de ma dernière vidéo. Hein, et voilà, les distress. Donc je les ai fait avec ces deux couleurs-là. Et je pense que ma petite préférée, c'est celle-ci. Parce que c'est dans les couleurs un peu marron, chocolat, etc. Donc la première, je l'ai faite avec la distress verte. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Je trouve qu'il rend absolument à la perfection. Enfin voilà, on retrouve bien mon logo, le cupcake, le cœur, etc. Voilà. Il est juste trop beau. Sachant qu'elle a eu des difficultés parce que le cupcake est une vraie photo. Voilà, c'est une vraie création que j'ai faite. Donc elle a eu. C'est pas un dessin. Voilà, donc elle a eu beaucoup de mal à le reproduire. Et voilà mon petit préféré. Donc c'est celui-ci hein, dans les tons marron. Voilà. J'adore cette couleur. Je trouve que ça rend super bien. Et donc dans l'enveloppe, au fond de l'enveloppe, donc pas dans la petite boîte, il y avait un petit cadeau. Donc Héloïse, si tu passes par là. Je te fais plein de gros bisous parce que t'as tapé exactement dans le mille. Voilà, parce que j'adore, j'adore, j'adore. Donc elle m'a offert un tout petit tampon comme ça, macaron. Voilà, vous savez tous que je suis une grande fan de macaron, j'adore ça. Et voilà un tout petit tampon. C'est très bien pour mettre derrière, pour pouvoir le tamponner derrière ma carte de visite, ça va être génial. Et donc pareil, j'ai fait les essais, hein, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, j'ai fait les essais et il marque absolument à merveille. Voilà, on voit vraiment l'effet chantilly à l'intérieur du macaron. C'est vraiment très très beau. Donc franchement, il me fait extrêmement plaisir ton petit cadeau. Tu n'étais pas du tout obligée, mais il me fait super super plaisir. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Hein. Le site sur lequel j'ai acheté, j'ai oublié de vous le dire, c'est YesPrint. Voilà, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos, le Facebook de Héloïse, parce qu'elle n'a pas de boutique, c'est juste une page Facebook et une adresse. Donc, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je vous dis, voilà, j'en suis absolument ravie de cet achat. Je ne le regrette absolument pas. Le tampon, j'ai oublié de vous dire le prix. Le tampon, il m'a coûté 14 euros. Et avec les frais de port, j'ai dû payer, ça devait être 2 euros de frais de port, je crois. Donc, en tout, pour un énorme tampon fait main, j'ai payé 16 euros. Voilà. Si on compte pas les frais de port, on va dire 14 euros. Donc je trouve ça un prix vraiment raisonnable pour du travail fait main. Voilà, c'est quelqu'un qui mérite d'être beaucoup plus connu. Je sais que Emeline a fait pas mal d'adeptes avec ses tampons parce que je sais qu'il y a petit atelier qui lui en a commandé un. Parce que vous allez voir sur ma page Facebook, mais je crois que j'ai mis une photo où il y a petit atelier qui en a commandé un. Et pareil, son logo on vous rend vraiment très très bien. Donc voilà, sur ce, mes petites calories, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye mes calories!